Je vous demande là, après ça fin passé dans Pétionville, zone meilleure à l'autre côté, yo, trois policiers tombés, de l'autre disparaître, ça levé colère autorité, pressé, pressé, réformer les demandes par rapport à la criminalité. Mande, vous ne voulez pas, faut que force l'ordre débarque dans le pays pour venir mettre l'ordre dans des ordres. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Jeudi, encore c'est 24 janvier 2023, ou connecté réseau information, pas oublier NC Sofia TV 83, mais nouvelle là, nan bon gentil mamite. Cependant, secrétaire général Nations Unies dit reconnaître j'ai la police a fait pour établir sécurité, mais ça pas empêché les guerres réserves sous force l'audio qui t'a dû rentrer pendant Canada. Poko fin quoi, qui sa cap fait et qui moun tout qui pral prend tête mission ça. Selon plusieurs sources, c'est que nous avons fait confiance, une réunion déjà planifiée sous nom Haïti et pays ça a dû discuter pressé pressé d'après Antonio Gutiérrez, il fait qu'on est à doit joindre une solution et puis joindre une formule pour débloquer Haïti dans la crise politique humanitaire ça a traversé journée aujourd'hui là. Mesdames, messieurs, bagaille pour courir là pour finir, ancien colonel la médaille a Rimler Rebi campé ferme contre toute intervention militaire soldat bla yo ta doué vin fait tout bout de papa de saline. Mon colonel la pas montré pas quatre chemins États-Unis pas ta doué gain intérêt. Voyez soldat vin mourir dans fiasco ça, elle dit c'est pral yon ben descend, il pral recommencer dans pays pour la plus belle et Biden pas ka raconter ça à la population américaine nan, très bientôt qui pral dans élection et yo pas ta doué fourer tête yo dans bataille. Pour l'instant qui te m'invite, Ralé Tichès Bao, je t'attendais information et nouvelles dans l'actualité. Pour aujourd'hui, c'est pour que vous soyez là sous Chanel Paola Sofia TV 83. Si vous pouvez faire ça, songez à vous abonner ensemble avec nous, activez la cloche de notification, comme ça vous notifiez à chaque fois que vous publiez une nouvelle vidéo et vous prêtez informé en temps réel. Mais Conseil de sécurité ONU a été réuni à huis clos pour capable discuter sous un dossier Haïti. C'est ministre des Affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez qui doit participer à la rencontre SILA qui est confirmé information. Nous avons plus de détails sous un dossier SILA. Jean-Noël Zolan, c'est ministre dominicain Affaires étrangères Roberto Alvarez qui a information ça. Côté que, il y a une réunion spéciale qui a fait dans le Conseil de sécurité ONU pour être capable discuter sous un cas d'Haïti. Et réunion spéciale, ça qui a fait dans New York, c'est occasion pour République Dominicaine réitérer position là, concernant un pays d'Haïti côté. Ils ont toujours fait plaidoyer pour que ils ont fait connaître que Haïti besoin force spéciale militaire à cause de gravité situation qui gagne dans le pays. Ministre des Affaires étrangères là, Roberto Alvarez insisté et tout que l'organisation bayon assistance à Haïti, même si l'hypoco répond à qu'à demande spécifique assistance autorité haïtienne pour capable freiner Zak Bandio qui encercle les capitales là. N'a noté réunion ça a fait conformément à la résolution 2645 Conseil sécurité qui a été prêt côté établi côté crise. Il a discuté chaque trois mois sous crise qui gagne en Haïti à côté Yomamba a fait demande spéciale, demande réunion spéciale. Même genre ça a été fait en mois de décembre passé. Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres dans un rapport lui transmet à bail Conseil sécurité 17 janvier passé a plaidé en faveur d'un déploiement en urgence force armée spécialisée internationale en Haïti. N'a toujours été dans le même dossier ça, dans le même sujet ça, côté que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a renouvelé position en faveur de son déploiement de forces armées spécialisées en Haïti pour venir aider la police pour le faire face avec une armée qui a des problèmes dans le pays. C'est vrai, et blocage terminal va aller même les rivières faites, côté que je dis, et mes camions citernes locales prennent gaz dans le terminal va rien. Mais selon ce qui dit, bon côté, Antonio Guterres, il fait qu'on est que les réaffirmer, mais on le fait encore, une urgence ça pour déployer, pour voyer une force armée spécialisée internationale en Haïti, comme j'ai expliqué ça dans l'lettre que l'été adressé dans la date qui était 8 octobre par le président Conseil sécurité. Selon ça qui est écrit dans parole ça, bon côté Antonio Guterres, dans un rapport qui était produit dans la date qui était 17 janvier 2023, dans un rapport que le grand public a lundi 23 janvier 2023, M. Guterres a dressé un tableau noir couleur sous situation sécurité en Haïti, alors que effectif policier nous continue à diminuer. Crime qu'a fait en deux pays a persistant augmenté. 2180 moun perdit la vie en bas de armée, ça qui a augmentation de 35,2% par rapport à l'année qui était passée avant, qui était 1615
cas qui était enregistré selon ça qui dit beaucoup d'Antonio Guterres. Zak enlèvement pour nous dire Zak kidnapping continue à augmenter dans la société. Côté données ont montré que gagnons augmentation qui fait 104,7% selon la police et les faits qu'on est tout gagne 1359 monde qui victimes dans la question Zak kidnapping. Au total, divisé, il parlait de 294 femmes, 23 filles la donne. En 2022, nous jouons contre 664, alors par rapport avec l'année 2021, 664 cas kidnapping qui étaient enregistrés, mais pour l'année 2022, là, il parlait de 1359 cas kidnapping. Au total, il y a 294 femmes et 20, alors femmes, il y a 23 timoun, alors filles la donne, selon ça qui dit. Avec rivé 6 nouveaux blindés qui achetés par l'État haïtien dans mes autorités dans le pays Canada, l'IPRAP avec la police a pour augmenter ça les patrouilles et mener opération que le remener contre les armées en d'autres pays. Selon ça, encore qui dit, bon côté secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, cependant, malgré détermination que la police a fait pile effort, mais ça n'a pas empêché que les armées illégales en d'autres pays continuent à commettre des actes de criminalité. Et dans ce sens, Antonio Guterres mandé avec la police nationale d'Haïti, avec l'État central, pour que yo mette de moyens pour permettre qu'on prenne des dispositions, bah, la police a moyen pour le river, croiser action bandit en d'un pays, hein. Ça qui, bah, empile problème, et ça qui empêchait, je dis, hein, que la vie reprenne normalement en d'un pays, hein. Les nèg armés, ça, qui passent suspendre tout le monde, passent suspendre détourner camion marchandises, bouler caïmoun, violer mesdames nuyo, situation, ça, qui jusqu'à présent, qui préoccupait, c'est que la générale des Nations Unies, Antonio Guterres, pays Canada lui-même, toujours gampi les réserves quant à que yon nouvelle possibilité pour que le tap prenne leadership yon éventuelle mission force étrangère en Haïti. Parce que jusqu'à présent, autorité dans le pays Canada yon ti jan et pour qu'on ka clair pour qu'on ait est-ce que c'est au cap prenne leadership nan. Même les autorités dans le pays États-Unis yon a fait gros pression, ben a demandé avec autorité dans le pays Canada pour c'est eux même qui prend leadership en dit force étrangère ça qui capable arriver en Haïti. On l'autre côté, il y a ambassadeur de l'ONU et tout près l'ONU qui c'est Bob Rey, dans intervention télévisée qu'il t'a fait semaine passée, hein, lui fait qu'on est mission ça, lui même capable faire impact capable faire impact durable s'il vient pour aider Haïti dans fait travail. Mais là encore, il y a doute sous ça. Qui est-ce que force étrangère a venu en Haïti et qui est-ce qui a pris le leadership plan? C'est là la grande question qu'a posé. Selon plusieurs sources, que bon, c'est vers ce détail là, t'as dû gagner une rencontre entre différents membres de l'ONU qui pral chita discuter pour le problème Haïti a fait face. Je ne veux dire comment que Yoka aidé Haïti sorti nan problème ni je dis à qui c'est plus gros problème pays a fait face, ces affaires net armées qui encerclent région métropolitaine Port-au-Prince et nan presque en pile ville province où joint de petits foyers de gang, de petits groupes gang cap construit et qui je dis à mettez population en situation très difficile. C'est ça, en gros, qui dit bon côté, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sous situation haïtienne et en même temps, avant même sévère, Téli, question, ça qui dit pour avec une réunion, t'as dû faire jeudi, hein, côté ensemble pays membre, l'ONU concernant Pralchita pour parler concernant problème, Haïti a fait face, jeudi. Hein. N'a toujours été sous même dossier ça, mais nous pouvons permettre aussi un reportage avec collaborateur Jean-Philippe Masséa, qui est ancien colonel Himmler Rebu, qui toujours qui avait même position, pas qu'il y a aucune possibilité pour force militaire internationale venir en Haïti, aucun pays, pas qu'il y a trop intérêt risquer la vie soldat en Haïti, surtout États-Unis. Reportage Jean-Philippe Masséa. Pendant le gouvernement, Croise et Bois, l'abtan d'intervention militaire, ancien colonel Himmler et Buclet. Faut ça, Poco ou bien Pape Vini en Haïti. Ancien secrétaire d'État, sécurité publique là, appuyé sous plaisir à Guimand. Pour expliquer ça. L'armée au départ, son business lié. Il n'y a pas une œuvre humanitaire. Maintenant, ça veut dire que l'Abtan Vini, hein, qui est-ce qui a payé ça l'a bien fait? Qui intérêt à gagner? Parce que l'armée des pays étrangers, c'est macro affaire, oui. Je vais pas régler tes affaires rases. Risque la bien courir en Haïti, qui sa pays l'a besoin que la vienne en Haïti? Mais mon Dieu, il n'y a pas qu'à venir parce que toute salle a besoin de gagner déjà. Non? Toute concession l'or qui gagne en Haïti, non mais le Canada, déjà. Donc, qui motivation matérielle li gen pour le vin là? L'armée pas jamais déplacé tout pour jouer.
Zamba jam tiré sans intérêt économique. Guerre Russie Ukraine, c'est un exemple clair. Tant des zamba tiré en Russie, toute aide autant d'Amérique bail là, c'est brasser infrastructure et des armes aux États-Unis à brasser là. C'est pas pour faire mais Ukraine. Premier bagage yo garanti yo, c'est pas américain qui a mouri. C'est ukrainien qui a mouri, c'est russe qui a mouri. Joe Biden a pari pour retourner dans l'élection pour un autre mandat. Yon grand soldat a mouri en Haïti. Ap yon gros défaite pour administration là. Qui intérêt gagné pour le bon soldat qui mourit là en Haïti? Qui j'en peux expliquer politiquement peuple la Kaili quelqu'un quatre soldats américains mourir là en Haïti? Pour qui ça? C'est un monde fait politique immédiat pour Biden. Oui? Américains ont tout détail sur qui est ce qui est le phénomène de sécurité en Haïti. Yo connais bien capable de gagner un pile cadavre dans Boukate Koutbat. Yo connais qualité moun qui met insécurité en Haïti et Amérique yo connaît si yo vini y a mourir par plusieurs. Et pour moi-même, la même déduction, le yo analyse typologie ennemi, potentiel que yo te gagne avec yo la caillou, condition que yo vini intégrer tissu social haïtien. Si yo paraît devant yo y a tué avec plaisir, yo pas capable expliquer population américaine dans ça, yo décide yo pas. Qui donc insécurité a gain racine, gain en pile intérêt de yel. Il me l'aurait pas manqué exemple pour expliquer ça. Ou pas songer au moment où dou, mon série de données sur crise haïtienne, ce sont des données classifiées, ou pas qu'à parler de ça. Ou série de chaînes d'insécurité organisées, ou pas songer le tap mené enquête sous affaire 400 maraudeurs, et oublié faire. Yo fait sortir de toi, ti données, piti, zuit, zuit. Ou pas songer au dédou, yo te joindre. Une structure en Haïti qui t'a acheté une arme anti-tank qui vend plus de 12 000 dollars américains. On a qui acheté une arme anti-tank. Son est qui besoin de kidnapping. Dans ça, qui solution même pour la population? Deux mouns pour gagner dans tête l'État qui comprennent ces affaires. Oui. Qui comprennent. Ou les bons brites sortis là, l'ou a. Moi, j'aime se parler avec mouns là. Mouns pas bien comprendre de qui ça parle. Si. Il y a des gens qui ont un problème, n'ont pas bien compris, qui ont fait m'engager là-dedans. Donc, ils ont dit qu'ils n'ont pas compris de qui c'est à parler. Donc, ils n'ont pas qu'à venir. Les autorités qui maîtrisent le dossier international, là, puis bien, n'ont seulement besoin d'une assistance technique pour mettre le phénomène ça. Et si vous avez des gens qui connaissent le sujet, si vous avez des gens qui connaissent de qui c'est à parler, qui compte qui matériel et équipement pour gagner, qui entraînement moun yo fait pour gagner avec matériel et équipement sa yo, problème qui gen la son mini problème lié. Ou pas besoin yo, ou besoin assistance technique yo. Et là ça y a à l'aise pour yo bien faire publicité, y a tout ok, m'voye de matériel pour Haïti m'bavle yo, yo cite nos matériels yo, matériel pour gagner pour faire travail là. Mon sort a saisi, ouais. On comprend le monde qui bon Dieu, c'est des gens qui sont bravo, c'est ça? En tout cas, l'éclair, handicap yon en pile. Délégation a monté descend en Haïti. Jusqu'à présent, personne ne va connaître qui les forces militaires ça a atterri. Dans la dernière déclaration Bob Ray sur Haïti, l'ambassadeur canadien fait connaître la situation et sécurité a amélioré par rapport à la date gouvernement qui fait des mandes là. Il y a une déclaration qui a dû couper espoir gouvernement. Axila, qui croit force militaire, a vint débarrasser pays à en bagangyo. Janvier 2023, on vient avec information concernant la police nationale d'Haïti qui mène opération dans ville Inch, département Centre, pays d'Haïti. La police nationale d'Haïti dans ville Inch a arrêté pendant le week-end 4 individus pour qu'ils soient trafic d'armes, association malfectée et puis vol les affaires moun qui j'a 4 individus à relé. Qui côté au sorti, n'a commencé pour une discussion dans la police, ça y est, dit qu'on certain de Nerli Joseph, qui a 22 l'année sous terre, l'imse, c'est Timon qui fait, dans la quatrième section à Guaïdiod, rivière gauche, localité Ecobanal, qui Michel Sonnel, qui a 35 l'année, originaire quatrième, alors Timon quatrième section à Guaïdiod, même j'ai tout avec Nerli rivière gauche, localité Ecobanal, qui Rousier François, 37 l'année, Monsieur Sénèque, commune Inch, même, c'est là le sorti. Et Claudin Merville, qui est 49 ans l'année, c'est Moun Inch, qui donc, c'est petit département, ça, même, au haut plateau, bas plateau, même, qui commet, qui entre dans mauvaise affaire, la police nationale d'Haïti, et poser la patrouille pendant le week-end, et pour qu'on y a, il est placé dans garde à vue, après répondre aux questions autorités judiciaires, avec autorités et policières.
Pas de guerre opération planifiée, notre drame qui mène à clairement trois policiers, selon le porte-parole PNH, la Gary Desrosiers qui fait qu'on est policier, t'as pris à le sauver, un proche qui était dans difficulté face à Badi. Pas de voix, PNH, la commissaire Gary Desrosiers fait qu'on est policier prenant embuscade Badi, qui était en majorité par rapport à 45 grands policiers, en côté Gary Desrosiers. Nous avons pour venir avec Gary Desrosiers qui parlait sous drame ça qui fait pendant un week-end. Nous Jean-Noël Zoulangé porte-parole PNH là qui c'est Gary Desrosiers qui fait qu'on n'ait pas de guerre opération qui était planifié notre drame qui menait clairement trois policiers selon lui-même qui fait qu'on est policiers t'as pas sauvé un proche qui était dans difficulté face à Badio. Commissaire Gary Desrosiers fait qu'on est policiers prendre embuscade Badio qui était en majorité par rapport à eux-mêmes. Une situation de vie très difficile, mais qui touchait chaque policier, et que ce soit agent fin arrivé au niveau plus gros ou gradéen, et à drame ça qui arrivait au niveau Pétionville, peut-être que nous avons perdu trois jeunes garçons, et une qui lui-même qui disparaît, et une qui est blessé lors de l'embuscade ça, et qui vivait rapidement et en contact avec les responsables au niveau département de l'Ouest, qui expliquait nous. Et comment ça fait arriver. Mais nous allons plus loin. On nous dit, quel que soit le cas de figure, drame ça n'a pas de voir aujourd'hui. Parce que c'est des gens, c'est des policiers qui baillent et vieux, qui baillent jeunesse pour permettre que la population est même capable, là on souffre, capable de baquer des mouvements, une activité. Et gagner, et c'est pas vrai, c'est pas ton opération. Après, vous parlez généralement avec l'opération. Et il faut que les planifie, faut que les gagnent. Et des dispositions qu'il prend, et il faut qu'il définisse, il faut qu'il gagne des objectifs spécifiques, il faut qu'il gagne des objectifs généraux, de manière que l'opération lui-même va aboutir. Tu es au courant tout que les policiers étaient en patrouille, étaient en route, effectivement, raisonnement. Parce que depuis dans la soirée, il y a une situation de tension qui a produit et dans un Sahara. Et la police était beaucoup de mal de faire et ça capable. Mais on est quand il était vraiment. En plus, en termes d'effectifs, tout est manouant. Et 5 policiers à bord d'un véhicule, avec une vingtaine de une trentaine de bandits lourdement armés, et prend malheureusement, et prend une embuscade du côté que, et nous avons perdu 3 jeunes garçons, l'une et qui est porté disparu. Pas d'une opération de planification, mais nous ne pas réfléchir à ça. Parce que, bon, donc, c'est des jeunes garçons qui ont perdu la vie, qui prennent le côté. Renfort ou assistance, soit approche, soit amour dans la population. Parce que dès que la police arrive sur ce plan, et même les t'as gagné et le policier qui est allé en renfort avec proche, mais tout, et pendant là, automatiquement, tout allait en renfort avec la population. Et vu la situation qui produit, qui est très triste, parce que pour le mois de janvier, à date, nous. Et à pratiquement 7 policiers et qui disparaissent, si pas plus, et avec la procédure de chiffre année dernière, et qui était énorme. On grand policier perdu la vie, on grand monde dans la société, et la population perdu la vie, c'est déjà trop, voire, et dans la vie, et pendant le cas. Papa, la police nationale d'Haïti a garé des osés, il comprend une critique la population, lui-même qui estimait la police apparaît à faire devant Action Badio. Garé des osés rappelé la police à faire pile travail déjà pour essayer de combattre le phénomène d'insécurité, mais c'est un combat à force l'audio pas qu'à mener pour continuer. Pour voir la police a mandé et population civile continuer à faire police à confiance pendant que tout y a collaboré avec la police pour y faire couper Action Badio. En écoutant une autre fois à Garé et des osés. Nous comprenons les considérations et nous comprenons les critiques parce que nous ne pouvons pas faire critique pour les pays. Au contraire, nous sommes capables de faire pour que nous disions tout, que nous comprenons les situations, nous comprenons les gens nous-mêmes ont évolué dans les pays comme institution, comme policiers, comme police. Et effectivement, à nous-mêmes seulement, pas capables de solutionner un problème dedans. Et il y a plusieurs considérations. Et normalement, qui est doué fait, parce que c'est des mounios qui trouvent dans les quartiers populaires, et des mounios, côté que il y a vivre au jour le jour,
Alors, moi-même, papa, ils ont quitté le travail avec mon porte-parole pour m'a faire des conciliations sociologiques. Mais et c'est un tout, et question sécuritaire. Et j'en dis, ce n'est pas question, il va simplement et la police, mais beaucoup de pas nous, comme un élément dans le système, non, et nous faisons tout ça capable, malgré, et en bon créole, malgré, et moi, et nous qui très, malgré ces limités, malgré les problèmes effectifs, avec zone nous, et avec le peu, nous faisons le maximum, et dès que des possibilités. Et il y a des efforts, de toute façon, qui fait déjà. Et il y a des gangs qui arrivent et maîtrisés. Il y a des opérations côté que, et malheureusement, et sans le dire, il y a des bandits qui sont blessés mentalement. Et alors, toujours dit ça, c'est parce que la vocation PNH, c'est pas la de tuer, mais qu'elle va arriver des situations pour les policiers à protéger tête libre et protéger les populations, hein, et champ de tir, et ça va arriver côté que gagner et des bandits et qui et malheureusement blessés mortellement, et nous tous les policiers tout, et qui blessent tout, et qui ont même perdu la vie autour, mais champ de tir. Et nous encore déterminés, malgré la situation, malgré ça qu'a traversé nous là. Et ensemble avec la population, hein, et la société, tout l'autre secteur qui n'a pas la sécurité, hein, pour le faire. Et on fait chaud ensemble pour que nous capables de faire face à la situation. Ça. N'a toujours été avec un porte-parole PNH qui fait qu'on est blindé au poté en pile si pour un cas de série opération la police a mené une base bandio porte-voix institution reconnaître parfois quelques là d'ailleurs qui a problème mécanique mais direction générale après disposition pour bien traiter pour faciliter toujours à fonctionner commissaire Gagide vous avez fait qu'on est pas gain top détail sous date reste blindé Canada y a venu en côté une autre fois Gagide Rosier. Non, et c'est sûr, parce que si que pas de nous, nous sommes capables de gagner, les policiers arrivent dans le champ d'opération, et nous sommes capables de gagner des victimes, et même plus de victimes, tout, et parce que Blendy a permis que les policiers d'abord protéger les têtes, et pour qu'ils soient capables de faire intervention, parce que si pas protéger les têtes, comment faire pour protéger la population, parce que c'est lui-même qui est armé, et c'est lui-même qui a fait face à la situation. Bon, et au niveau techniquement que, concernant les matériels aéros, alors moi-même, pas de avis technique comme mécanicien ou comme qui n'a pas de on a dit que, est-ce que les gens ont des défauts, est-ce que les demandés pour que yo améliorer les conditions mécaniques, et c'est certain qu'on a des difficultés, des gains, tout, même on sent même au niveau des garages PNH qui occupent de ça seulement, qui occupent des blindés et à chaque fois cette opération, et si gagnent des dommages pour que yo réparer et pour que yo encore tourner sur le terrain, parce que et même blindés bien yo yo pas empilé effectivement et Jean Dolan et on doit avoir une quantité et vu situation taille problème non pour engager tout matériel ça dans zone là et puis bon l'autre zone encore des problèmes il y a là c'est même matériel ça parfois pour réduire ça dans l'eau pour déplacer quoi là ça veut dire ouais matériel là l'équipement est extrêmement important pour qu'il fasse face. Alors et si bon problème mécanique et qui vivait et il a tenu compte de ça et puis non next comment il a fait il a tenu compte de la réalité parce que et généralement vos machines en fait et yo expérimenté yo essayé ici bien des défauts et on voit que les machines qui fait qui tout avec un défaut de fabrique et puis obligé d'entrer avec lui ou bien que yo font autre façon yo sorti avec l'autre véhicule et ils sont capables de tout parce que ils sont pas mécaniques ils ont des défauts car une machine neuf là et puis là et puis mon défaut de fabrique et puis qui capable en route ça capable de mais et nous on tenu compte de ça au niveau de direction générale là et pour que et à chaque fois situation ça fait ils ont laissé rapport hein, et pour que non et prochain commandement pour que soient capable de tenir compte de ça pour problème ça va pas et bon une base va exister parce que c'est mécanique mais pour que il va répéter de manière avec peut-être ça qui est un bagage chiffre exactement même quoi était bon premier lot et pas trop longtemps probablement peut-être 2 ou 3 semaines de cela tenir peut-être tout petit deux et qui est venu et qui est l'autre qui vous venir encore bon il a été au niveau de compagnie là, pour faire les besoins hein, pour que d'avenir attend pour que les capables rapidement au service pour que nous capables de faire travail.
Et voilà précision par rapport à la police qui s'est égarée et déosée. Collins Jean-Jacques, la police a été arrêtée et présentée comme bandit et vite l'homme dans Miragouane, jeune libération lundi an, après un audience dans paquet Miragouane, non. Après enquête, commissaire gouvernement qui s'est Ernest Muscadin l'estimé. Collins Jean-Jacques a pagué un boulot à Kakouz et gang. Avocat Lyomètre Mathéus Mathieu Akamoujo Wilnor. Fait qu'on est commissaire Jean-Ernest Muscadin était trompé et de cible, il a décidé de libérer jeune garçon. Nous allons débuter d'un côté, une après l'autre, avocat Clovens Jean-Jacques, Mathéus Mathieu Akamoujo Wilnor, notre co-correspondant permanent, non, Henri-Claude Claire Saint-Depiville à Miragouane. Bon, nous, dans un premier temps, saluer la presse qui t'a fait déplacement pour te venir assister à l'audition Clovens Jean-Jacques et devant le commissaire Jean-Ernest Muscadin aujourd'hui. Hein. Nous-mêmes, en tant qu'avocat, les parents ont constitué le cabinet. Hein. Donc, nous avons fait tout ça pour nous faire et aujourd'hui, nous avons permis, après audition dans SDPJ, pour qu'il soit là aujourd'hui devant le commissaire là, et pour nous avancer les points de droit et pour demander au commissaire là pour le mettre et Clovens en liberté parce que pas aucune infraction que Clovens Jean-Jacques commettre et la loi claire on ne pas capable arrêter pour une infraction qu'il pas commettre étant donné que commissaire là lui-même donc nous toujours féliciter lui c'est une raison c'est pas avec travail qu'il a fait dans le département qui fait que Clovens l'idée quitter Port-au-Prince pour insécurité donc il était venu dans le département NIP parce qu'il était pensé parce qu'il connaît que à travers le travail commissaire l'a fait département l'ICEF c'est un département côté qu'il est capable de vivre en toute sécurité et malheureusement il était arrêté mais nous estimons que le commissaire l'a été trompé de cible de monde qu'il t'a cherché hein, c'est pas Clovens donc c'est une raison suivant demande que nous fait lui accorder liberté pour Jean et liberté Clovens donc et c'est une raison qui fait que je dis hein, Lila. OK je peux ajouter et à l'instar de mon confrère maître Mathéus Mathieu que le commissaire du gouvernement a effectué et disons qu'il y a un travail formidable au département NIP mais et malheureusement et coup de filet ça il pas répondre à attente qu'il a décidé de faire. Donc, dans ce sens-là, il estime que Clovens n'a aucun charge contre lui et aucune infraction n'a été révélée contre Clovens Jean-Jacques également. Donc, il met mission en liberté. Donc, nous avons demandé tout à toute information qui a circulé sur les réseaux sociaux que Clovens soit comme un chef gang. Non, il n'est pas chef gang. Clovens soit est un paisible citoyen, Jean-Jacques, paisible citoyen, là, vive la communauté et il va évacuer toute activité comme à l'ordinaire. Non, c'est pas m'élever, c'est liberté. Parce que le dossier n'a pas de temps à cheminer le cabinet d'instruction. Parce que il n'y a pas suffisamment de charge contre Clovens Jean-Jacques. Ok? C'est pas pour c'est un dossier qui est très vite. D'accord? Merci beaucoup. Ok? Yon kodi fait éclater dans le Front National, malgré pompiers qui est arrivé, ça n'a pas empêché un pile caille boulé, d'après citoyen aussi, un fatra qui t'a boulé, qui la cause, dit fait ça éclater. Alex Gauthier était sous place, l'a présenté un reportage. Kakas bois qui boulait un coup charbon, fait tol tout partout, moun a prend de l'eau pas bokit, pendant pompier a fait emergency pour éteindre gros difesa qui éclaté sous fond national. Difesa a pété à cause du fatra qui t'a boulé dans zone là, et puis vent voyer difesa dans direction Kaisayo d'après quelques citoyens. Youn qui met difesa non fatra en bas, kay pas là-bas même boulé même. Fatra a boulé, yon qui folie, yon mette tout moun. Panne qui facilite différents atteindre plus sky plus rapide. On est là tout le monde utilise bonbon, ça vient permettre tout depuis chalet de santé comme on éclaté.
avec des gens qui ont moto, qui ont gaz, et puis tout ça, on met des différents. Jusqu'à présent, pourquoi des chiffres sur la quantité de gaz? Mais citoyens expliquaient, il y a un pile caille qui passait en bas flamme, dit fait ça. Je ne sais pas estimer combien de caille qui boule, mais il y a un pile caille qui boule.